Allez bien, vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mercredi 28 août et il est tôt, il est 8h30, enfin il est tôt par rapport à l'habitude. J'ai encore zappé mon sport, il fait trop lourd dans la maison. On a l'impression d'avoir du mal à respirer. Alors logiquement ça devrait craquer aujourd'hui. Je pense que ça ferait un petit peu du bien, voilà. Juste pour pouvoir, comme je vous dis, rafraîchir l'atmosphère, parce que là, c'est vraiment étouffant. En fait, nous, dans le Nord, on n'a pas d'air, comme je vous ai déjà dit. Donc, du coup, dès qu'on monte au-dessus de 30, et là, on avait 35, même plus, et ben on se sent oppressé, quoi, en fait. Voilà. Là, il est à peine 8h30, on est déjà tout moite et tout, alors qu'on sort de notre douche. Enfin, bref. Hein? Mais bon, c'est... En même temps, je me plains sans me plaindre, quoi, en fait, parce que je me dis que ça prolonge l'été et tant mieux. Mais là, ils annoncent des températures qui sont un tout petit peu plus normales et de saison. Donc, voilà. Hein? Ça sera mieux, quand même. Je voulais... Alors là, je vais pendre mon linge avec vous. En fait, je voulais parler un petit peu ce matin et voir un petit peu avec vous sur les petits changements qui vont avoir lieu, du coup... je vous avais posé la question, hein. Donc je prends mon linge en même temps, hein. Donc je vous avais posé la question pour les retours de course, si ça vous aurait quelque chose, si ça se retrouvait dans les vidéos directement, dans les vlogs, et en fait compte vous êtes tous pratiquement, à part peut-être 3-4, à m'avoir dit que ça vous allait dans les vlogs, que c'était même mieux, que voilà. Donc du coup, hein, c'est ce que ça sera. De toute façon, je pense que c'est, voilà, c'est vraiment le mieux, que ça soit pour moi et puis pour vous, parce que ça devait être un petit peu ronronnant, parce que vous savez, comme certaines m'ont dit, il y a des moments je parle de ce que j'ai acheté dans les vlogs, quoi, en fait. Donc voilà, après peut-être que ça sera moins en détail, vous voyez, dans les retours de course style Lidl ou le lait, enfin les trucs comme ça, je vous dirais j'ai acheté du lait, j'ai acheté de l'eau, mais voilà, je vous le montrerai pas, quoi, en fait. Je vous montrerai les petites choses, enfin voilà, on verra comment ça se passe et comment ça évolue. Mais bon, du coup, maintenant, à partir de cette semaine, quoi, en fait, puisque la semaine prochaine, c'est déjà la reprise, et ben, ça sera comme ça. Ensuite, voilà, il y a plein de choses que moi, je vous montrerai plus, comme par exemple, pendre mon linge, ou passer l'aspirateur, ou des choses comme ça, parce que je me suis dit, voilà, ça vous intéresse pas, quoi, en fait, de me voir faire le ménage et tout, ça doit être rondondant pour vous, un peu casse-pied, enfin, voilà, ça doit être des passages que vous passez, justement, et que vous passez en accéléré, ou des choses comme ça. Donc, du coup, je vous le montrerai plus, pour privilégier, justement, des instants de cuisine. Et en fait, compte, bah, vous me dites que ça vous plaît, et que ça vous donne de la motivation et tout, et ben donc du coup, ben soit, ça reviendra du coup. Alors par contre, les vlogs sont super longs, donc je pense, va falloir que je revoie au niveau de la cuisine. Alors, je sais pas, il faut que j'essaye de trouver un compromis pour que je puisse vous filmer d'autres passages, parce que je le comprends, il y en a beaucoup qui m'ont dit, et même moi, hein, je m'en rendais compte quand je montais les vidéos, il y a trop de cuisine, voilà. Et je pense que ce que vous avez envie, c'est... de la cuisine, oui. En fait, ma journée en général. Et c'est vrai que je passe pas que ma journée dans la cuisine, quoi, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que les vidéos, enfin les périodes de vidéos de cuisine dans les vlogs, c'était, ça prenait énorme. Enfin voilà, ça prend. Si je veux vous montrer la recette en détail et tout, ben ça prend beaucoup de temps, quoi, en fait. Donc les vlogs sont longs. Donc du coup, ben, j'ai moins de temps pour vous montrer d'autres passages de ma journée, quoi, en fait. Donc en fait, je privilégiais la cuisine parce que je pensais que c'est ce que vous préfériez. Donc, et que le reste, ça vous intéressait moins, quoi, en fait. Me voir prendre mon linge ou des choses comme ça, voilà. Donc du coup, ben, on va essayer de trouver un petit compromis. Il continuera à avoir de la cuisine parce que c'est ce que j'adore et c'est ce que j'aime bien vous partager aussi. Mais je pense que je vais revoir un petit peu au niveau de... Ben, déjà avec la rentrée, il y aura moins de recettes puisque je cuisinerai plus deux fois par jour, mais plus qu'une fois, enfin entre guillemets deux fois.
parce que le midi, ça sera sûrement des trucs qui vont aller vite. Voilà. Après, peut-être que, je sais pas, je vais voir. On va voir comment ça se... Voilà, comme je vous dis, comment ça va évoluer. Mais voilà, il y aura toujours de la cuisine. Hein, ne vous inquiétez pas pour celles qui aiment ça, il y en aura toujours. Il y aura d'autres passages de ma journée que je ne privilégie pas, en fait. Donc j'essayerai de faire un petit compromis. On va voir comment ça évolue et vous me dites un petit peu. Mais j'ai entendu hein, ce que vous souhaitez, je pense. Et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, comme je vous disais hier. Je pense vraiment que, voilà, même moi, je commençais, même quand je l'ai monté, hein, les vidéos et tout, je me disais, ah non, pff, voilà. Vous savez que les dernières vidéos où j'ai essayé de mettre un peu plus de notre vie de famille, un peu plus de ce qu'on faisait à côté et tout, me plaisait plus aussi moi à monter que les vidéos où il n'y a que de la cuisine quoi en fait. Donc après il y a des jours où on fait rien de spécial quoi en fait, hein, comme tout le monde, donc où on sort pas, ou mais voilà, on va essayer de, hein, de trouver un petit compromis entre tout ça. Donc il risque d'avoir des petits changements à partir de maintenant, voilà. Et puis, comme je vous ai dit, les retours de course, du coup, bah, ils seront directement dans les vidéos. Voilà. Angèle a repris le foot. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Alors là, du coup, bah, il y a beaucoup d'affaires de foot à pendre. Il a repris lundi. Et ce soir, il a entraînement. Non. Non, c'est pas ce soir. Demain. C'est demain. Ah oui, demain. Oui, c'est vrai, on est mercredi aujourd'hui. Je pensais qu'on était jeudi. Voilà. Donc, et Stacy reprend la semaine prochaine. Donc, la routine va reprendre aussi. Par contre, au niveau aussi, pour revenir un petit peu sur les vidéos, du coup, je pense que je vais voir comment je vais... à la place du retour de course, qui avait lieu le jeudi, du coup, bah, je vais reblogger le lundi. Et vous aurez du coup le retour de course le lundi, le jeudi, quoi, en fait, comme avant. Mais ce qu'il y a, c'est que avant, je montais la vidéo retour de course le lundi pour le jeudi. Bah, là, du coup, je vais reblogger et vous aurez... le retour de course dans le vlog du lundi, quoi, en fait. Enfin, le petit retour de course de Lidl, souvent, qu'on voit. Voilà. Ben, voilà. Donc, du coup, il y aura un vlog le jeudi pour vous, plus de retour de course, qui sera, du coup, intégré dans la vidéo. Alors, par contre, je pense que je vais continuer... J'ai fini de pendre mon linge, je vais le mettre dehors après. Je pense que je vais continuer à garder mon lundi. Voilà. Alors, les vidéos spéciales, il y en a beaucoup... qui m'ont dit qu'ils aimaient bien aussi ça. Alors je pense que ça sera plus aussi régulier, ça sera de temps en temps, en fonction de quand j'ai un truc à vous partager qui nécessite d'être hors des vlogs, voilà. Sinon il n'y aura plus de vidéos le lundi, sauf ponctuellement, je ne m'impose pas de trucs. Je pense que j'ai besoin aussi d'avoir une journée comme ça pour pouvoir avancer sur autre chose, sur des projets ou des choses comme ça, sur des montages, ouais, quand je veux changer la miniature, changer le début des vidéos et tout. Voilà, je pense que je vais faire je vais me garder le lundi. Donc il n'y aura toujours plus de vidéos le lundi, sauf exceptionnel. Il n'y aura plus de retour de course, enfin le retour de course sera dans les vlogs, intégré dans les vlogs. Par contre, du coup, le jeudi, pour vous, au lieu d'avoir le retour de course, ça sera le vlog du lundi. Voilà. Avec la journée, avec les courses de Lidl, quoi, en fait, dedans. Allez, je vais mettre mon linge dehors. Il fait encore beau aujourd'hui. Mais ils annoncent, oui, je vous l'ai dit, hein, il va peut-être craquer. On verra. Mais le soleil là est en train de... On voit que c'est un tout petit peu plus nuageux, mais le soleil est en train de bien sortir. Et je vais aller voir dehors s'il fait un peu plus frais que dans la maison. Parce que là... Non, je suis en train de laver le sac à Stacy. Le sac, bon, elle l'a utilisé un mois l'année dernière. Donc du coup, il est pratiquement neuf, mais c'est juste pour lui donner un petit coup de neuf. Et là, on est en train d'étaler les affaires scolaires pour préparer. Et oui. Plus que quelques jours. Allez, loulou. Ils sont contents hein, de reprendre l'école. Non? Pas trop? Alors, les choses qui sortent de l'ordinaire qu'on a achetées, bah, on a acheté une calculatrice pour ceci. En fait, celle de l'année dernière, c'était celle de sa sœur, donc il y a quelques années. Hein. Elle m'a dit qu'il n'y avait plus de piles. Dans le doute que c'était les piles, j'en ai racheté une. Voilà. Comme je vous ai dit, je n'avais pas acheté l'année dernière. Là, elle vous fera les années qui restent. Puis les calculatrices, nous on s'en sert aussi à la maison. Quand ils ne les utilisent plus, on les récupère et on s'en sert pour faire nos comptes. Ensuite, ça c'est l'agenda pour Stacy. Donc elle a pris très simple avec. Voilà. Hop. Ça c'est celui à Kim.
Donc là aussi, il est très simple. Elle voulait quelque chose de simple. Donc une page par avec des notes. Ouais, il a l'air d'être pas mal. Avec une couverture un petit peu matelassée. Et Angel, c'est comme ça. Donc c'est aussi un petit peu matelassé aussi. Ça fait du simili cuir. Avec comme une tête en relief, une tête de mort avec des lunettes en relief. Et qui me reste, c'est pareil, vous voyez, c'est du tissu, enfin c'est du comme du sky aussi, du plastique en fait dessus. Et Angel, oh là, l'intérieur. C'est même fun à l'intérieur par rapport à la couverture, je m'attendais pas que ça soit comme ça. T'avais vu? C'est coloré? Ouais. Par rapport à la couverture qui est très... autrement, bah voilà, c'est du lambda, hein, c'est stylo, voilà. Les crayons de bois, moi j'aime bien prendre ceux-là parce qu'au moins, ils sont pas, quand ils les font tomber, ils cassent pas. Pareil pour les crayons de bois, j'aime bien prendre ceux-là, enfin les crayons de couleur, j'aime bien prendre cette marque-là parce que, voilà, ils sont résistants et au moins ils peuvent aller jusqu'au bout sans qu'ils cassent. Après tout le reste, franchement, c'est vraiment du... Les pareil, ça ils aiment bien aussi parce que là il y a un petit bouton, c'est un taille crayon. En fait vous appuyez sur le petit bouton et ça éjecte la mine quand elle est coincée à l'intérieur. C'est à qui ça? C'est à Stécie. Alors les cahiers, souvent je prends avec une pochette comme ça plastifiée. Mais j'aime bien, c'est ceux-là. Tu peux m'en ouvrir un chéri? Je vais vous montrer, ils sont un petit peu plus chers. Mais quand vous calculez le cahier plus le protège-cahier, ça vaut plus le coup d'acheter directement plastifié. Mais ce que j'aime bien... Non, alors celle-là, c'est les Claire Fontaine. Hop, voilà. Donc c'est des Claire Fontaine. Mais ce que j'aime bien, ça fait vraiment le protège-cahier. Vous voyez, quand ils veulent mettre des copies ou des choses comme ça à l'intérieur, je trouve ça pratique. Voilà, c'est protégé quand ils ont leurs devoirs ou des choses, ou des polis ou quoi à mettre. Donc ceux-là, ils étaient en promo à Auchan. Deux minutes, on va préparer ça. Donc du coup, je voulais tous comme ça, mais il n'y avait pas un petit carreau. Voilà, enfin il n'y en avait plus sûrement. Voilà, donc du coup on s'est rabattu sur ceux-là marque Auchan. Donc avec aussi le protège-cahier plastifié comme ça, mais il n'y a pas l'intérieur, vous voyez, le rabat pour pouvoir mettre les copies. Voilà, donc du standard. Après des feuilles, des... Et les trousses, ben, c'est leurs trousses de l'année dernière que j'ai nettoyées, elles étaient encore nickel. Et en fait, ce qu'ils aiment bien dans leurs trousses, je vais vous montrer. Alors, celle-là, c'est celle à Angel. En fait, il y a deux compartiments. Donc du coup, ben, ils peuvent mettre dans un les crayons de couleur, dans l'autre leurs trousses normales, quoi, en fait, ou autre, quoi, en fait. Et Stécie, elle a la même chose, là en noir, ça fait deux compartiments aussi. Donc je trouve ça pratique, comme ça tout se mélange pas dedans. C'est pareil, c'est une de l'année dernière. Voilà, pour les petits achats. Donc là on va faire ça, on va préparer, on va écrire sur chaque cahier et tout. Alors moi les fournitures, vous voyez comme Stécie, j'essaye d'avoir tout de la même couleur, une couleur par matière. Par exemple en français, ben, ça va être tout du bleu. Il n'y a qu'en histoire géo où les profs demandent trois couleurs. Mais autrement, voilà, on essaye d'avoir la même couleur pour chaque matière. Comme ça, quand elle doit faire son sac le matin, ben, ça va beaucoup plus vite. De ce midi et le repas de ce soir. Stécie, la semaine dernière, elle m'avait réclamé. Qu'est-ce que tu m'avais réclamé? Des crèmes dessert Oreo. Voilà, des crèmes dessert Oreo. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors voilà, on a assaini un petit peu la recette, mais ça devrait aller. Je pense que ça devrait y ressembler. Alors en fait, c'est avec des Oreo. Donc là, forcément, hein, c'est le gâteau industriel. Je peux pas l'inventer. Je pense que même quand on les fait maison, ça ne ressemble pas au vrai Oreo. Hein. Voilà. Faut tester.
Ouais, mais bon, j'ai un doute quand même. Alors, il y a des ingrédients dedans qui sont... ça fait partie des petits plaisirs qu'il faut continuer à s'accorder quand même. Voilà. Comme je dis tout le temps, l'équilibre, ça se fait sur... Alors, vous allez voir, là, la recette... ça va valoir une crème dessert normale, hein. C'est juste au niveau des additifs en fait, voilà. Je sais que dans les Oreos, je sais pas ce qui... Enfin voilà, il doit y avoir des trucs dedans pour conserver le biscuit qui sont pas très clean. Mais bon, je me dis, quand on a une alimentation qui est pratiquement tout le temps clean, c'est pas un gâteau, parce que là c'est ce que je vais mettre par Vérine qui va changer quoi que ce soit. Donc on y va, puis ça fait plaisir à mes loulous. Donc ce que j'ai demandé à Stacy, c'est de prendre l'Oreo, de l'ouvrir et d'enlever la crème qu'il y avait à l'intérieur. Donc on a récupéré cette crème, donc il n'y en a pas beaucoup, hein, mais voilà. Et puis elle a cassé du coup les biscuits, elle les a mis dans le fond des verrines. Voilà, hop. Donc ces verrines là avec les biscuits, on les met de côté et là on va faire la crème. Alors la crème, je vais faire version rapide, express, un peu comme la crème pâtissière que je fais express. Le seul truc c'est qu'on va pas mettre d'œuf dedans pour avoir cette crème blanche qu'a l'Oreo à l'intérieur. On va juste mettre un petit peu de vanille, du xylitol, du lait et on va rajouter la crème aussi qui était dans les Oreos, dans cette crème là. Dans le bol, dans un saladier, on a mis du lait, 400 ml de lait, une petite pointe de vanille en poudre, 30 g de maïzena et 50 g de xylitol. Alors là on va le faire chauffer, on va le faire épaissir au micro-ondes et ensuite on ajoutera la crème qu'on a mis de côté, la crème qui y a à l'intérieur des Oreos. Donc voilà, très simple, une crème dessert qui va aller. Alors, vite. On met au micro-ondes, une minute on mélange, une minute on mélange, un peu comme quand on fait la crème pâtissière ou la crème anglaise express au micro-ondes. Tu t'en charges chérie? Ouais. Ouais. Je vais ranger un petit peu. Alors ce matin, ce que j'avais fait en prévision de la salade de ce midi c'est une salade d'orzo aux crevettes. C'est vrai que je ne vous ai pas dit le menu d'aujourd'hui en fait. Hein. Je pense que j'ai zappé ça ce matin. Donc ce midi c'est salade d'orzo aux crevettes avec yaourt ou fruits en dessert. Et ce soir c'est du cabillaud à la tomate et aux courgettes avec du riz complet et les verrines crème pâtissière à l'Oreo. Donc du coup ce matin en prévision de la salade j'avais sorti mes crevettes et je les avais tout épluché parce qu'il y avait encore la carapace et je les ai fait mariner avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et alors là il y a à peu près 300 g de crevettes, je les ai coupées parce qu'elles étaient très grosses. J'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café d'ail en poudre et une cuillère à café de cumin, sel, poivre. Je les ai fait mariner comme ça depuis ce matin et là je vais juste les faire cuire dans une poêle comme ça à sec. Il y a déjà de l'huile d'olive dedans. Donc j'ai fait cuire. La crème a épaissi. On a rajouté le peu de crème qu'on avait récupéré de l'intérieur des Oreos dedans. On mélange. Alors on le fait quand c'est chaud pour que la crème fonde à l'intérieur. Et ensuite, bah, il n'y a plus qu'à remplir les verrines au-dessus des biscuits. Et c'est Stacy qui s'en charge. Bah, Stacy a rempli les verrines, il n'y a plus qu'à les mettre au frigo, enfin rempli. On aurait dû prendre des plus petites. Il y a un peu, voilà. Mais il y a quand même 100 g de crème, c'est parce que les verrines sont vraiment grandes en fait. Celle-là, c'est bien quand je fais des salades de fruits ou des choses comme ça. Mais pour des petites verrines comme ça, enfin des crèmes dessert, ça fait gros. Voilà. Hop, on met au frigo et puis on va attaquer la salade du coup. Alors, dans cette salade d'orzo, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis des bébés épinards. Les crevettes que j'ai fait mariner, que j'ai fait cuire, des tomates cerises, de l'orzo. Et au niveau de l'assaisonnement, ça va être une petite vinaigrette à base de yaourt. Donc dedans, il y a du yaourt avec mélangé avec du skyr. En fait, logiquement, ça aurait été du yaourt grec qu'il aurait fallu mettre. Du jus de citron, du sel, du poivre, de la nette, de la ciboulette. Et j'ai rajouté aussi du persil aussi que j'avais mélangé avec les crevettes. Voilà, du persil frais. Là, on va verser l'assaisonnement et puis on va mélanger, on va pouvoir manger parce qu'il est déjà, midi 48. Ça passe vite, allez. Alors, on va essayer de mélanger sans mettre partout parce que ça, c'est mon chic quand je mélangeais un gros saladier. En plus, là, les pâtes, l'orzo, je l'avais fait cuire ce matin, donc il a un petit peu collé depuis. Pourtant, je l'avais refroidi et tout. Mais voilà. Mais bon, ça va, il va revenir avec la sauce et tout, et ça va revenir normal. Hein, mais voilà, c'est juste le fait de devoir mélanger. Bah, hop. Voilà ce que ça donne du coup. Une fois mélangé sans trop de catastrophes. En tout cas, ça sent super bon. En fait, c'est avec le fenouil et tout qu'on a mis sur les crevettes pour les faire mariner. Ça donne toute la saveur et tout au.
donc à la salade, le fenouil, le citron, le yaourt, enfin voilà. C'est vraiment très très bon, c'est une salade que j'avais déjà fait, que je vous avais déjà partagée je pense, ouais. Mais bon, elle était peut-être un petit peu plus riche en huile à ce moment-là. Allez, on va manger. Alors, on a fini de manger, chérie est rentrée du travail. Je vais mettre, ce matin j'ai fait des tomates comme ça, confites, que je vais mettre là au frigo. En fait, j'ai simplement coupé les tomates cerises en deux. J'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre et du thym et de l'ail en poudre. Voilà. Les proportions, bah, un peu au pif, hein, l'ail, le sel, le poivre, le thym, voilà. Et là, en fait, c'est pour en prévision des tartines de demain soir. Ça va être des tartines avec des tomates confites, justement, tomates rôties et du pesto. Donc, je les ai fait à l'avance pour qu'elles ont le temps de refroidir et le temps de bien se confire. Donc, je les mets dans un petit plat. Je vais attendre qu'elles refroidissent bien et je vais les mettre au frigo. Et là, j'étais en train de nettoyer aussi les baskets à Angel. Alors, on lui a acheté des nouvelles baskets, mais les siennes, elles sont encore bien, elles lui vont encore. Ce truc, c'est qu'elles sont bien sales, parce que c'est des couleurs claires. Donc, du coup, je suis en train de les faire tremper avec le pergamote de soude, celui que je vous avais dit. Et je les nettoie avec du savon et une vieille brosse à dents. Voilà. Pour essayer de les avoir le plus clean possible, en fait. Même si elles ont quand même un an, hein, ces baskets. Mais comme il grandit plus beaucoup des pieds, voilà, elles vont encore. Donc voilà, j'ai mis dans un petit plat, hop, et ça comme ça je vais pouvoir le mettre au lave-vaisselle. Donc après au four, je les ai peut-être mis 20 minutes et j'ai laissé, une fois qu'elles étaient cuites, ben ça va vite, hein, mais j'ai éteint le four et je les ai laissées à l'intérieur pour qu'elles continuent à rôtir sans trop y toucher pour pas qu'elles deviennent trop de la purée, vous voyez, pour qu'elles restent encore entières. Enfin entières, je les ai coupées en deux, vous me comprenez, hein. Hop, allez, je finis les chaussures à Angèle du coup. Alors, je les ai mis dans une grande bassine avec du produit, du pergamote. Je prends un vieux, une vieille brosse à dents. Je prends un savon, donc ça c'est un savon détachant que vous avez déjà partagé au fiel de bœuf. Et je brosse en fait. Mais c'est vrai que là déjà, j'ai su bien les ravoir. En fait, je brosse un petit peu et puis je vais les laisser tremper. Et ensuite, je les passerai à la machine. Ouais, pour aller finir comme ça, elles seront quand même plus propres. Et en plus, comme celles qu'on a achetées, c'est défoncé. Elles sont noires. Donc du coup, ben, ça lui fera des clairs pour finir là. Enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, les baskets noires, je trouve que ça fait mieux l'hiver. L'été, je préfère des blanches. Voilà. Avec les jeans clairs, en fait, je pense que c'est ça. C'est avec les jeans clairs, je préfère des baskets claires, en fait. Allez, je finis. Et après, ben, je laisse l'eau refroidir et je les mettrai à la machine. Ah, chérie est partie faire la carte de bus à Angel. Il était temps. Je viens de me faire piquer par un moustique ou je sais pas quoi là. Ça me gratte. Ah, oh, saloperie. Alors, je vous étais en train de répondre à vos commentaires. Je voulais rassurer certains d'entre vous. Il n'y aura pas énormément de changements sur la chaîne. Je vous rassure. Il continuera à voir le menu. Je continuerai à vous le partager. Ça sera sûrement dans la vidéo du jeudi quand on fera le retour de course. En fait, enfin, pas le retour de course, mais quand il y aura les courses de Lidl. Ben voilà. Il continuera à voir tout ça. On verra comment ça tourne, mais il continuera à avoir le menu, je continuerai à vous le partager sur le blog, je vous le dirai en barre d'infos et je vous le dirai directement aussi, je vous ai fait le menu, allez le voir, voilà, il continuera à avoir tout ça, les fiches recettes, il continuera aussi à en avoir quelques-unes sur des recettes qui sont récurrentes, voilà, qui reviennent assez souvent et tout, mais pareil, je vous le dirai aussi, tenez, je vous ai fait la fiche recette, si vous voulez, je vous mets le lien en barre d'infos, voilà, tout ça, ça sera partagé au fur et à mesure. Voilà, il n'y aura pas énormément de changements. Le seul truc, c'est qu'il y aura les retours de course au fur et à mesure, en fait, quand on ira faire les magasins. Je suis désolée, ça me gratte. Alors, au fur et à mesure des magasins, en fait, voilà, au fur et à mesure qu'on fera des courses, ben, je vous le dirai dans les vlogs, je vous montrerai ce qu'on a acheté. Et puis voilà, il n'y aura plus de vidéos dédiées à ça. Ensuite, ce qui va changer, c'est que j'ai entendu celle qui voulait que je sorte un petit peu de la cuisine, qui voulait que je partage un peu plus ma vie de maman, entre guillemets, et notre vie de famille qui soit à côté. C'est vrai que c'est des choses, comme je vous ai dit, je faisais plus. Vous partagez en train de me faire l'aspirateur ou des choses comme ça, je le faisais plus parce que, voilà, je pensais que c'était bon, j'en avais parlé et c'était... Mais voilà, je me rends compte que ça vous motive aussi, vous, que moi aussi ça me motive, que ça vous manque. Donc voilà, il y aura tout ça, il y aura un petit peu plus de...
autre que de la cuisine. Mais du coup, voilà, il y aura un tout petit peu moins de cuisine, mais voilà, il y en aura toujours. Hein. Ça, de toute façon, je passe beaucoup de temps dans la cuisine, donc voilà, hein, on fera... Mais voilà, je pense que on va évoluer comme ça, on va voir ce que ça donne, on va pas se mettre de pression, et puis et on verra, et puis vous me dites s'il y a un souci, s'il y a un truc qui... Voilà, vous préférez ça ou vous préférez ça. Comme je vous dis, les critiques constructives, ça, je les prends avec plaisir, ça me fait évoluer, ça me fait avancer, ça me remet en question aussi. Il y a des choses que je me dis, ah bah tiens, et puis en fait contenant, voilà, donc n'hésitez pas, voilà, ces critiques là je ne les prends absolument pas mal, même si... enfin c'est très rare que je prends une critique mal en fait, hein. Les critiques qui sont méchantes et mesquines, là forcément, hein, mais les critiques pour être méchantes, voilà, comme certaines, hein, voilà, celle-là, je les chute, mais voilà, les critiques constructives, allez-y, hein, c'est là, pas de souci. Comme je dis aux enfants, ça nous permet d'avancer. Allez, j'étais en train de commencer un petit peu, j'avais un petit peu de temps devant moi, donc j'étais un petit peu en train de commencer les nouveaux décors pour avec le nouveau logo et tout, pour l'automne, en fait, voilà, déjà, et oui. Ah, donc là, je suis en train de... Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, à chaque fois, le petit renard, hein, le maman renard et le bébé renard. Et voilà, là, j'étais en train de... Alors, si vous voulez savoir, je travaille avec Gims pour faire tout ça, en fait. Donc, à chaque fois, je pars et puis je rajoute. Et voilà. J'aime bien faire ça. Mais ce qu'il y a, c'est que ça prend du temps. Voilà. Donc là, j'étais en train de faire un petit peu ça. Et puis, ben, le dessert pour ce soir est fait. En fait, j'avais pratiquement tout fait au niveau de la cuisine, ce que je voulais faire. Donc il me restera peut-être que tout à l'heure aussi, je verrai en fonction de à quelle heure chérie rentre de la carte pour Angel. J'irai peut-être à Action. Voilà, il a pris ma voiture, hein, c'est pour ça que j'attends pour y aller. Et je ne sais pas s'il veut venir avec moi ou pas. Donc voilà, j'irai peut-être faire un petit tour à Action, parce qu'en faisant les listes des enfants ce matin, je me suis rendu compte qu'il manquait... des pochettes en plastique pour remettre, vous voyez leurs copies, les copies pour les devoirs, les DM et les DS, enfin les devoirs surveillés et tout, je leur mets dans une pochette des feuilles simples en... pour les brouillons, pour les trucs comme ça, des feuilles blanches aussi, et des copies doubles. Donc, et comme je leur dis, vous laissez cette pochette dans votre cartable, comme ça vous avez toujours des copies au cas où. Donc je me suis aperçue, j'avais oublié d'en acheter, pour Angel et Kimberly. Comme on n'a pas de liste, c'est embêtant en fait, hein, pour les lycéens. Donc du coup, il faut que j'achète ça, et il faut que je leur achète aussi des petits carnets, parce qu'avec le bac, ils ont des méthodologies à mettre. Et voilà, il faut que je... des petits cahiers ou des petits carnets. Elle voulait un petit carnet pour l'art plastique aussi, avec une pochette, vous voyez, un petit peu cartonné. Et ça, je sais que je vais trouver ça à Action. Donc voilà, allez, on va continuer un petit peu à travailler sur le PC. Ma chérie est revenue d'avoir été pour la carte Angel, mais en fait, il faut refaire complètement le dossier. Le même dossier qu'on a fait l'année dernière, en fait, il faut tout refaire. Donc du coup, on va le faire ce soir tranquille, et puis on ira le reporter demain. Et ils ont même rien envoyé en plus. Et quoi? Comme quoi qu'il fallait refaire un dossier? Ouais, bah. Mais je sais pas, c'était plus simple nous dans notre génération en fait, hein. Je trouvais que voilà, la carte on le faisait avec le lycée ou le collège, et puis en plus bah, c'était gratuit. Maintenant nous on paye, alors que avant et puis moi ils s'en servent que pour aller au collège quoi, en fait, au lycée. Et mais même quand on allait au collège, on pouvait avoir la carte quand il y avait autant de kilomètres, mais tout était gratuit quoi, en fait, c'était payé. Ouais, on avait droit à 2 ou 4 tickets si on était demi-pensionnaire, parce qu'à ce moment-là c'était des tickets qu'on poissonnait. Et et là en fait maintenant bah, c'est des cartes payantes. Bon, c'est sûr, ils peuvent utiliser la carte comme ils veulent, s'ils veulent aller ailleurs ou quoi ils peuvent. Nous on avait un certain nombre de bus à prendre, c'était peut-être plus contraignant, je sais pas, au niveau de la fraude ou quoi, mais voilà, c'est hein. Et puis le fait que c'est payant en plus, bah nous voilà, on paye plein pot parce qu'on n'a pas le droit au truc social ou je sais pas quoi là. Donc il y a des moments où je me demande, hein, c'est vraiment parce que ça me ferait aller tout le temps, parce qu'on paye pratiquement 25,20 € pour Angel, et la même chose pour Kimberly. Stacy, pour l'instant, elle n'a pas de carte de bus parce que je la conduis. Mais si on payerait aussi pour Stacy, ça ferait du 75 €, un peu plus que 60, presque 76 € pour, juste pour les trajets, pour aller au lycée ou au collège.
Et il y a deux moments, je me dis, c'est parce que franchement, ça me ferait beaucoup d'aller-retour, parce qu'ils ont tous des horaires différents et que voilà, je serai tout le temps sur la route. Et encore, il y a deux moments, je vais les chercher en plus, malgré tout, quoi, en fait. Mais voilà, je me dis, c'est pratiquement un plein d'essence, quoi. Le plein que je mettrais peut-être voilà, pour le mois, pour aller les conduire et les chercher. Donc ça reviendrait exactement à la même chose. Alors que logiquement, ça devrait être moins cher, quoi, en fait. Ben, voilà, c'est le truc un peu aberrant. Mais je pense que c'est dans le Nord. Hein. Voilà. Dites-moi, vous, si vous payez aussi les transports scolaires pour vos enfants et tout. Mais c'est vrai que c'est un budget quand même. Hein. Ouais. Bref, hein, on va pas se plaindre. Allez, on va du coup à Action. On va aller voir pour ses petits cahiers et puis ses pochettes s'il y a. Puis voilà, faire un petit tour. Et puis après, on va rentrer. Il est 4h30. On va, je sais pas, faire à manger. Mais c'est cool parce que le repas, enfin, est déjà, ça va être rapide, quoi, en fait, ce soir. Mais bon, je fais quand même au four. Mais il fait beaucoup moins chaud hein, qu'hier. Il fait 29 aujourd'hui. Et on a quand même perdu 6 degrés par rapport à hier. Donc on le sent. Mais par contre, il n'y a plus de soleil. C'est tout nuageux, tout grisaille. Là, c'est, le temps est bizarre, quoi, en fait. Mais on respire un petit peu, ça fait du bien. Et je pense que voilà, l'orage va pas tarder à arriver. Vous avez dit hein, ce soir, logiquement, non? Pas pour nous. Pas pour nous? Nuageux, c'est tout. Ah ouais? Bon, tant mieux, en même temps, j'aime pas les orages. J'ai toujours. Voilà. Ça m'a toujours déplu, le bruit. Il y en a certains qui aiment, hein, mais moi, j'aime pas. Ça me fait toujours peur, j'ai tout le temps peur qu'il y a un éclair qui tombe ou quoi, pas loin ou quoi. Il y a tellement de... Enfin, l'année dernière, je me souviens, c'était avec des enfants qui jouaient au foot, hein, qui avaient eu un truc. Du coup, ça m'avait fait peur même pour les enfants et tout. Enfin, c'est vraiment un truc que j'aurais à l'orage. Ça et le vent. Quand il y a des tempêtes, vous voyez que ça souffle très fort et qu'on entend que ça claque et tout. J'ai horreur de ça. Je pourrais pas vivre dans un endroit où il y a des cyclones ou des trucs comme ça. Je serais une super froussarde. Déjà, je suis une super froussarde. Allez, t'es prêt chérie pour Action? C'est pas le genre de magasin qui aime bien. Hein? Et quand il y va, c'est juste parce que voilà, il a besoin d'un pot de peinture ou d'un truc ou quoi. Je rentre, je sors. Ouais, il rentre, il sort. Dans tous les magasins. Mais moi, souvent, j'aime bien faire mon petit tour. Mais bon, c'est lui qui veut venir avec moi. Hein. C'est pour surveiller ce que j'achète? Non, je suis pas très dépensière. Si? Non. Allez. Pas de contredire. Action, pourquoi tu peux pas me contredire? T'as perdu. Homme battu en vue là, hein? Regardez-moi ça, hein? Au secours. N'importe quoi. Au secours, tu vas voir. Regarde, hein? Toutes ces menaces. Qu'est-ce qu'il veut? Je le prête. Alors, il bricole, bon, il râle, hein, il ronfle. Alors ça, je vous dis pas, il ronfle. Après, je vous dis pas ce qu'il fait d'autre, parce que dans le lit, voilà, il y a des choses, il pète, il... Comme tout le monde. Il fait des bruits avec sa bouche quand il dort aussi. Ah chérie, oui, grince des dents. Ça aussi. Alors quand je dors, je m'en rends pas compte. Hein. Mais quand j'ai du mal à dormir, que je suis en petite insomnie ou quoi, et que j'entends qu'il fait ces bruitages là. Mais bon, après il bricole. Il a beau caractère quand même. Hein. On va dire que. Voilà. Ça va. Hein. Après, qu'est-ce qu'il y a de bien aussi? Hein. Il est courageux. Bon, je vais arrêter hein, parce qu'après il va me. Voilà, il va se sentir. Non. Continue. Allez. Ça y est, on revient d'Action. Il y avait un monde fou qui squattait devant les rayons, bien sûr, qui m'intéressait aussi. Donc, du coup, j'ai essayé de filmer un petit peu, mais voilà, il y avait tellement de monde, ça déboulait de partout, il y avait des gamins qui couraient partout. J'aime pas trop aller à celui-là, je préfère aller l'autre ou en Belgique parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Voilà, et c'est moins le bordel. Là voilà, c'est parce qu'on devait aller pas très loin, on devait aller chercher une bouteille de gaz. Donc du coup voilà, on a été au plus près. Mais par contre j'ai trouvé, je vous montrerai à la maison. Je vous montrerai. Et j'ai trouvé un truc pour parce que mes rangements à épices avec les plastiques, je vais fermer parce que j'ai peur que vous ayez du vent. Voilà. Donc avec mes plastiques, avec mes rangements à épices, j'en ai tellement que voilà. Donc je voulais changer un petit peu de fonctionnement. Je vous montrais. En fait, je voulais des pots à épices, mais longs.
pour pouvoir les ranger dans mes bacs comme ils sont rangés en ce moment. Mais voilà, et que je puisse avoir un visuel plus correct en fait dessus. Je vous montrerai ce que j'ai trouvé. Ils étaient même pas chers en plus. Et puis ensuite, j'ai acheté des bacs transparents aussi pour mettre dans mon congélateur et dans mon frigo. J'en ai pas pris beaucoup, on voudrait tester pour pouvoir réorganiser un petit peu le congélateur et le frigo. Je vous montrerai aussi. Et après, qu'est-ce qu'on a pris? Ah, j'ai retrouvé... Alors, quand Angèle s'est fait opérer, vous étiez beaucoup à m'avoir demandé sur Insta, je vous avais partagé une photo, où est-ce que j'avais trouvé mon journal, le noir avec des petits pois. Je sais pas si vous vous souvenez. Et là, je vous montrerai, en fait, j'avais acheté Action. Et là, ils ont sorti une autre version. Et du coup, je l'ai acheté aussi. Je vous montrerai aussi. Bref, j'ai trouvé les pochettes pour les enfants. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Et plus que nécessaire, comme à chaque fois qu'on va à Action. Et je vous montrerai tout ça en rentrant. Ah, je vous montre ce qu'on a acheté à Action. Alors, à Action, j'allais pour les carnets des enfants. Donc, j'ai trouvé celui-là pour Kim. Il est beau, j'aime bien. Pour des beaux carnets à Action. Hein. Ah, donc elle voulait avec une pochette cartonnée. Angel, c'était des petits cahiers, donc c'est Chéri qui les a trouvés. Il a juste pris ceux-là. C'est ceux qui font le plus mec. Vous savez qu'ils font beaucoup de trucs pour les filles, mais pas beaucoup pour les mecs. Il n'y a pas que ça, c'est que là c'est un carreau et les autres c'était des lignes comme nous on avait. Bah là je pense que c'est des lignes aussi, Chéri. Non. Si, c'est tout des lignes à chaque fois, Action. Oh. C'est tout le temps des lignes comme ça. Mais c'est pas grave, c'est lui. En fait, c'est parce que sa prof, comme l'année dernière en français, elle leur donnait des fiches à coller de méthodologie. Donc, il leur avait demandé un petit cahier pour pouvoir les mettre dedans. Donc, c'est pour ça. Ensuite, on a repris des écouteurs pour Kim parce que les siens sont cassés. Nous, les écouteurs, il les mange. On a repris deux bonbonnes de gaz comme ça. En fait, c'est des bonbonnes pour mettre logiquement dans les réchauds de camping ou les trucs comme ça. On en a un. Aussi, mais Chéri s'en sert beaucoup, c'est pour allumer le barbecue. En fait, on avait acheté un truc thermique pour enlever les mauvaises herbes. Là, ça fait un brûleur de mauvaises herbes. Voilà, on l'avait acheté à Action aussi, je pense. Hein. Ouais. Et en fait, on avait essayé et ça fonctionne pas très bien, quoi. En fait, voilà, il faut vraiment insister faut et tout. Mais par contre, pour allumer le barbecue, c'est nickel. Vous mettez, hop, vous avez une flamme, ça va super bien. Donc, du coup, on s'en sert pour allumer le barbecue. Ensuite, tu vas chez. Il va au potager. Je reviens dans une heure. Ok. Alors ensuite, je vous disais, c'était ce journal-là que je vous parlais, que j'avais acheté à Action l'année dernière. Et je l'avais acheté en Belgique. Je ne les ai pas vus en France. En fait, ça fait un journal avec des intercalaires et puis des feuilles. Et là, par contre, vous voyez, c'est avec des anneaux comme ça. Donc, je m'en sers pour écrire pour la chaîne, pour les idées de menu, des idées de repas. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et... là, à Action, il faisait donc du coup le même système. Je vais vous l'ouvrir. Vous allez mieux voir. Et en fait, c'est le même système. C'est le même, vous voyez, carnet comme ça, en simili-cuir. Par contre, à l'intérieur, il y a deux petits carnets comme ça. Alors là, déjà, au niveau de la finition, il y a des petites pochettes. Donc à chaque fois, il y a des petits autocollants avec. Hop, pour pouvoir... alors... est-ce que j'arrive à les avoir? C'est collé. Voilà, il y a des petits autocollants comme ça, un petit peu pour mettre dedans si vous le souhaitez. Et en fait, là, c'est un système de deux carnets, enfin trois carnets à l'intérieur qui sont accrochés. Et ils vendaient les recharges. Donc il y a un carnet avec des pages blanches, un carnet avec des lignes et un carnet avec des pois, des petits points. Voilà, comme les petits points pour faire les bullet journal, voilà. Donc en fait ces carnets, bah, vous pouvez les changer et tout. Et en fait moi c'est surtout pour l'école avec, en fait je suis parent d'élèves et souvent j'ai des réunions, des choses comme ça. Et voilà, c'est pour me suivre comme ça, pour les noter quand j'ai des réunions ou m'en servir comme calepin. Ensuite, j'ai pris des petites décos comme ça. J'en ai pris deux. Hop. Voilà, c'est des décos en plâtre d'automne. Et oui, je commence déjà à penser à l'automne. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris deux. C'est pour mettre à mes poignées de porte, je pense. Ensuite, j'ai pris un bac comme ça, transparent. Alors, c'est pour mettre dans mon congélateur, pour mettre mes herbes. Je vais les mettre droite comme ça. Et au moins, parce que souvent, ça tombe dans mon tiroir à congélateur et ça me...
Voilà. Vous voyez, quand le sachet est ouvert, il suffit qu'on voilà, on le retourne parce qu'on cherche quelque chose. Là, j'espère pouvoir les ranger droite. Et comme ça, si ça salit, eh ben, j'ai juste le bac à nettoyer et pas tout le tiroir complet. Ensuite, on va tester deux boîtes comme ça. On va tester dans le frigo. Parce que moi, j'ai une grosse boîte que je mets mon fromage. Donc, c'est une boîte tupperware en fait. Et je mets tout mon fromage dedans. Ce qu'il y a, c'est que c'est un petit peu embêtant parce que j'ai le fromage que chérie, les enfants mangent et tout. Et j'ai aussi le fromage que je me sers en cuisine. Donc, je me suis dit que j'allais prendre deux boîtes comme ça parce qu'en fait, elles sont superposables. Hop. Alors, il y a une façon de les mettre, hein, mais... Allez, non, c'est peut-être pas dans ce sens-là, je vais trouver le sens. Non, je suis pas douée. Hein. J'ai réussi dans le magasin, donc... En fait, il y a un sens, et puis voilà. Ici, ça y est, j'ai réussi. Donc en fait, elles sont superposables. Donc je me suis dit, mais il y en a une que je vais pouvoir mettre le fromage en dessous que je me sers en cuisine, et une au-dessus, mettons, le fromage que je me sers pour la table. Quand, en fait, vous voyez le camembert, les trucs comme ça. Et si ça fonctionne bien, je pense en acheter d'autres pour mes fruits et mes légumes à voir. Voilà. Je voulais voir vraiment d'abord si ça prenait pas trop de place dans mon congélateur. Ensuite, j'ai pris deux pochettes comme ça. Alors, c'est avec une pression. C'est des pochettes transparentes. Et c'est pour, vous voyez, quand on a des papiers à prendre avec soi ou quoi, pour pas les abîmer. Je trouve ça pratique. En fait, ça avait des pochettes comme ça, hop, avec une pression. Voilà, vous pouvez les ranger dedans et vous pouvez les prendre et les... voilà, et les trimballer sans les abîmer, sans qu'ils craignent la pluie ou des choses comme ça. Hop, donc j'en ai pris deux. C'était 45 centimes, ça c'était pas cher. Ensuite, j'ai pris le même système, mais là ça fait vraiment que la pochette. C'est souple. Et en fait, ça fait comme les... Vous voyez les trucs qu'on met dans les classeurs avec le truc plastifié là. Là, c'est la même chose, mais il n'y a pas ce truc pour mettre... vous voyez les anneaux. Voilà. Et c'est ouvert sur les côtés. Alors souvent là, c'était une prof de Stacy qui donnait les bulletins et tout là-dedans. Je trouvais ça super pratique. Ensuite, j'ai pris pour les enfants deux pochettes comme ça. Il n'y avait pas avec les rabats et élastiques. Mais voilà, celle-là, elle est pas mal aussi. Pour mettre leur copie double. S'ils ont des feuilles de dessin, par exemple, à mettre. Ou après, ben voilà, s'ils ont des dossiers à ranger ou quoi. Je me suis dit, ça pouvait être bien. Ça prend pas de place dans le cartable. Donc, j'en ai pris deux. Une pour Kim et une pour Angel. Je me suis pris un plateau comme ça en bois. C'est pour mettre sur ma petite table. Je vous montrerai après où est-ce que je vais la placer et ce que je vais mettre dedans. Et voilà les pots à épices que je vous disais. Donc, c'est un peu... Hop. Je vais vous montrer, en fait, mon système d'épices. En fait, je vous l'avais montré déjà. En fait, moi, c'est rangé comme ça dans des petits sacs, dans ces bacs-là que j'avais acheté à Action. Et ce qu'il y a, c'est que j'en ai tellement, c'est que quand je cherche une épice, parce que franchement, j'en ai vraiment beaucoup, hein, là, j'en ai pris 30 des pots, je ne sais même pas si je vais en avoir assez. Et bien, à chaque fois, je suis obligée de faire comme ça, pour chercher. Donc, quand vous avez une dizaine d'épices, ça va, mais quand vous en avez énormément, ben, vous cherchez. Et il y a des moments, en plus, au début, j'avais bien rangé un bac pour tout ce qui est poivre, piment et tout, un bac pour autre chose. Et... voilà, quand chérie ou les enfants vont dedans, bah, ils rangent pas forcément dans le bac. Donc quand je cherche, mettons le cumin, bah, je suis obligée de chercher dans tous les bacs. J'en ai trois comme ça. Donc du coup, je me suis dit, là, les pots, je vais les ranger dedans. Ça va pas prendre énormément de place, je vais pouvoir bien les mettre. Et je vais faire une petite étiquette sur le dessus, je vais vous montrer un pot. Est-ce que je vais savoir l'ouvrir? Voilà. En fait, au-dessus, là... Je vais mettre une petite étiquette, je vais les mettre comme ça, rangées. Donc comme là, je vais pouvoir en mettre pas mal, déjà dans un bac. Hop, j'en ai mis un ici. Vous voyez, là, je crois que je vais pouvoir en mettre 4. Et en fait, au-dessus, j'aurai tout de suite un visuel, parce qu'il y aura écrit dessus ce qu'il y a dedans. Voilà, petite astuce épice. On le fera ensemble, enfin, je vous montrerai quand ça sera fini. Allez, je vais vous montrer où est-ce que je vais mettre le petit plateau en bois. Le petit plateau en bois, c'est pour ici. En fait, c'est les petits cactus que j'avais acheté, que j'ai mis ici. Et hop, je voulais les mettre sur un plateau. Du coup, comme ça. Voilà. Alors là, je vais voir, hein, je vais sûrement arranger le truc pour pouvoir le mettre. Voilà, je vais voir comment je vais assembler ça. Mais
chips. Voilà, c'était pour mettre comme ça au milieu de ma table. Et on y va pour le repas de ce soir. Alors ce soir, comme je vous ai dit, cabillaud, tomate, courgette. Alors dans une... Hop, il fait un peu noir. Est-ce qu'il va faire la pointe? Oui. Alors dans une sauteuse, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, comme d'habitude. J'ajoute, hop, de l'ail et de l'oignon. Donc une gousse d'ail et un oignon. Et mince. Et on commence à le faire dorer. Donc une fois que ça commence à dorer, on ajoute les courgettes. Donc là, moi, c'est de la jaune, mais vous pouvez mettre de la verte. Hein. Chérie trouve qu'elles sont plus sucrées, les jaunes, que les vertes. Moi, je vois pas trop de différence, en fait. Par contre, je trouve que les vertes sont plus fermes à la cuisson que les jaunes. Les jaunes deviennent vite en purée en fait, enfin, entre guillemets. Faut vraiment pas trop les... Elles cuisent plus vite, voilà. J'ai changé ma batterie parce qu'elle est rouge. Les courgettes ensuite, et j'ai changé la batterie. On ajoute une boîte de tomates concassées, ou là, comme là, moi c'est des tomates cerises que j'avais achetées à Lidl quand ils faisaient le truc italien. Donc c'est tout des petites tomates. Hop. Je vais mettre un tout petit peu d'eau pour récupérer le fond de la boîte. Hop. Je vais ajouter 100 ml de vin blanc parce que ça va bien avec le poisson, le vin blanc. Hop. Et des herbes. Alors, du thym, une feuille de laurier, et là j'ai de la marjolaine. Vous pouvez le remplacer par... vous pouvez ne pas en mettre, ou remplacer par de l'origan si vous voulez. Et puis j'ai mis un tout petit peu de piment, mais vraiment pas beaucoup, c'est des flocons de piment. C'est 1/8 comme je mets d'habitude, c'est la dose que chérie et les enfants supportent. Du sel et du poivre, et on va laisser cuire un tout petit peu ça pour que les courgettes commencent à cuire et que ça commence un petit peu à compoter. Alors ma sauce avait bien cuite, j'ai juste rajouté les morceaux de dos de cabillaud sur le dessus et je vais laisser cuire jusqu'à ce que les dos de cabillaud soient cuits. Voilà, et on va servir ça avec du riz complet. Et j'en ai fait cuire un petit peu plus en prévision de la salade de riz qu'il aura cette semaine. Comme je vous ai dit, voilà, j'essaie de donner une petite continuité au menu. Voilà, c'est cuit. Hop, j'ai juste rajouté un tout petit peu de basilic au-dessus et on va pouvoir manger. Aïe, il est 21h07. Alors je vais vite clôturer parce que j'ai commencé à monter le vlog et il est super long. Donc du coup, voilà, on va vite se dire bonne nuit. Le repas était très bon, les verrines, la verrine avec les Oreos qu'on avait fait ce matin, enfin que Stacy a fait ce matin, c'était très bon. Bon après c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'avait pas mangé de biscuits industriels comme ça, très sucrés comme les Oreos. Donc enfin moi j'ai trouvé que c'était vachement sucré. Mais bon ça n'a pas dérangé chérie ni les enfants. C'était bon, voilà. Et le poisson c'était très bon aussi. Là on va inverser les rôles avec Chori. Je vais aller promener Princesse et lui il va... faire la vaisselle. Voilà, donc j'y vais, je vais mettre sa laisse et je vais y aller avant qu'il fasse trop noir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup bah, à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.